Bonjour, bonsoir tout fanatique Haïti Media on yo qui t'aime annoncer la police maré 10 bandits dans Marigo dans département sud-est pays d'Haïti et nèg sa yo té dans un groupe armé qui a évolué dans zone figuier. L'aime dit nous ça nèg sa yo pas manger rien qui fret et selon détail que me gagné moun qui responsable basi là c'est un certain de Mackenzie avec un lot qui c'est Junior Saint-Surin tous les deux c'est frère que nèg yo sorti Port-au-Prince plus précisément en Dangan Ravine c'est nèg Tima Sansé nèg Mouché Tilaplio qui quitté Port-au-Prince qui monte dans département sud-est pays d'Haïti pour venir mettre un groupe armé qui déjà bail en pile problème dans zone figuier dans Marigot dans département sud-est pays d'Haïti. Mais la police fin informé, la police fin gen tout détail qui nécessaire yo, et ben toute information vini à clair, la police même t'a obligé mettre pied la terre pour capable tenir un gros bout de tonton opération qui pas petit dit tout. Et nèg sa yo avant bon quelque nom, nèg sa yo ça que yo spécialisé là dans nan zak ki ap komet c'est braquer chauffeur moto. Laissez pas braquer au braquer chauffeur moto pour prendre tout sac sous chauffeur yo volé motocyclette là tout. Et puis l'autre bagarre encore c'est fait cas déjà sous fond actifi dans zone figuier en localité qui trouvel en dans commune Marigo. Mes chers amis, l'aime dire ça mon cher nèg yo pantant bon gen nèg yo dit la police al prend nèg yo te gen fait un petit cabicha parce que la police t'en met opération dans la nuit. Est-ce qu'on comprend? Et yo dit c'est dans la nuit vendredi que premier pour ouvrir samedi 2 décembre que la police t'en met opération ça. Comment nèg yo relé comme moi déjà sur bord des nèg là qui c'est responsable base là qui c'est Mackenzie et puis Junior Saint-Surin qui c'est des frères et l'autre monde que la police arrivé maré yo dit me gagner un certain de Wilken Lucien gagne Jean-Frédéric Faustin gagne Dieu fête Kofi et gagne Anderson Pierre alias Anis moun sa yo arrêté parce que yo c'est membre actif base si là. Est-ce que vous comprenez? Et gen Stanley Saint-Surin lui même qui c'est frère Junior Saint-Surin yo nan tête pensante base là monsieur tout actuellement yo nan men la police. Et puis la police t'a pral fè konnen gen des armes créole que yo joine la caill Anderson Pierre attendez nèg ki rele Anis là des armes créole yo joine la caill li et gen tout l'autre accessoire tan kou et pièces motocyclette yo rejoine la caill yon certain de Jean-Frédéric Faustin qui m'ont cité pour nous là. Et la police saisit tout ça que yo joine la caille nèg sa yo qui c'est gros bandit qui a évolué dans département sud-est pays d'Haïti. Et bien gen tout Alienson Clairvaux, gen Jean-André Joassin, gen Djoubi Joassin et gen Wood Jeff Duverger. Ve moun sa yo arrêté tout dans cadre affaire ça. Et on l'autre côté gen on certain de la voix Pierre que yo joine yon faux âme dans même ici. Et bien tout moun sa yo actuellement selon détail que nous gagnons la police dans département sud-est fait qu'on est yo fermé yo dans garde à vue en attendant suite judiciaire autant même pensez que pendant m'a dit ça là ou garder figi type ça ou bien ou garder figi voir yo garder figi voler yo et m'pensé le nèg ça arrivé bon dans SDPJ ou bien les arrivé si a voyer dans Port-au-Prince gien quelques informations clés pour y al bay responsable enquêteur policier nous yo pour dire qu'il est qui moun parce que ou imaginez nèg la bay problème Port-au-Prince il est tellement senti confortable dans mouvement gangsterisation hein li quitter Port-au-Prince en tant que un soldat il a pli li aller dans zone Marigo pour le mettre tout pâle et pour le venir chef au contraire de causer. En tout cas, j'en entendais assez ça mes chers amis. Nèg sa yo, yo nan men la police, yo mette yon kote machine pa frape yo en attendant que yo tann sa ki réservé pour yo. Et fòm din tout, gen des CPJ ki maré yon certain de Julien Moïse. Monsieur, yo identifié en tant que yon haïtiano américain. Et son ade, yo pran monsieur nan airport Toussaint Louverti. Yo kembe monsieur en possession le te gen 256 cartouches divers calibres, gen 6 radio communication. Gen yon système surveillance et puis gagné yon gilet pa bal que la police joint dans métro avec un somme de $19,390 la police kembe tout ça et actuellement monsieur déjà placé dans garde à vue en dedans de CPJ. Ou imagino on nèg peut-être bon yo dit son haïtien ou américain mais est-ce qui donc 200 li son haïtien malgré tout sort de cap passé là nèg la pas honte pour prendre risque monter avion pour venir ensemble avec bagay sa dans pays d'Haïti et on connaît tout gen on somme cob ou gagnant ou pas ka monter en avion ensemble avec les sans ko pas déclarer
Est-ce que vous comprenez? En tout cas, j'en entendé assez ça actuellement. Tout ça qui placé dans garde à vue et me penser, il y a quelques questions clés que lui supposé répondre enquêter yo pour dire qui côté il t'a parlé ensemble avec toute quatre aussi là yo, qui côté on va t'a parlé avec six radio communication yo, qui ça lié dans pays et qui l'est la prendre cartouche bon ou gen pour si mise à prendre cartouche. Cartouche c'est non l'autre matière libéral metel qui les armes. Et ben fondamentalement monsieur tout qui quantité armes qu'il rentrer dans pays d'Haïti dans moment insécurité à valé terrain, pièces moun pa épanier. Est-ce que vous comprenez? Et pour rejoindre yon sans koutia, yon zenglendo, yon manfou ben, yon la tchè fè. Est-ce que vous comprenez? Pour le vini, avec tout bagay sa yo, est-ce que vous pensez que la pral vèk les yé, et yon capable de responsable qui te andre pot yo? Mais actuellement, misé fè mon côté, et m'gen l'impression, yaba misé toute sensation, toute caresse, toute tendresse qu'il mérite en dedans de CPG. Et en attendant, qui te m'tout à informer nous, qui te m'tout ba nous détail sa, genye Matel Jean-Claude, qui c'est juge instruction qui était dans tête dossier et bâtonnier Montferrier d'or voilà qu'on connaît qui était assassiné gien en pile l'oxité dans quatre dossiers ça en pile moun ou pas ta penser impliqué dans quatre dossiers assassinat bâtonnier Montferrier d'Orval parmi yo gien Martin Moïse qui était supposé venir répondre question gien André Michel qui t'a bail mettre là qui t'a fait gros menace ou mettre là pour causer référendum et après toute menace ça yo qui mettre là t'a pral joindre ensemble avec Lamol dans parking en dans la Kaili qui donc mes chers amis actuellement selon information qui disposé yo dit que appareil judiciaire haïtien bon capable dit gouvernement Ariel Henry en soi yo pas bail dossier ça régler en rien actuellement. Il n'y a pas de dossier ça aucune importance. Eh bien, Matel Jean-Claude qui était dans tête dossier, lui obligé de désister pour qui ça? C'est parce que mes chers amis, il dit manque moyen. C'est manque de moyen qui fait dossier c'est dans tête les dossiers pas jamais capable faire avant. Il pas jamais capable instruire des dossiers ça parce que dossier ça, l'arrivé en dans justice haïtienne appareil judiciaire haïtien, il y a pas bail dossier ça valait. C'est bon, où j'entends des Emily Prophète parler de dossiers ça, où j'entends des Emily Prophète bail l'autre ou bien il y a une rencontre qui fait pourtant des bail ça parler. Pas jamais gen bagay comme ça mes chers amis. Pas jamais gon conseil supérieur pouvoir judiciaire qui organisé pour tendre gon bagay comme ça parler. En tout cas, j'en entendais assez ça et Matel Jean-Claude, mi c'est pas dans tête dossier ça encore et gen en pile pression qu'a fait. Parce que pour me dire ça, SDP a frappé là. SDP même si entendait André Michel a propose et c'est lui même qui avocat pep bon émission qui me fait là, qui donc nèg pral fond gens là pour virer l'horloge pays à tête en bas. Tellement pral gen activité gang dans pays ça changer me dit ça parce que moi même toujours parler bon cause depuis me joindre information yo depuis me joindre détail yo me pas kembe yo m'a partager ensemble avec vous bâtonnier Montferrier d'Orval moun nou pa ta kwè impliqué dans quatre dossiers ça et me dit ça André Michel si gen instruction ka fait dans quatre dossiers ça même j'en nou yo té prend makike ça André Michel yo supposé tout inviter puis tout kembel parce que mis était fait gros menace et menace ça yo té prend réseau pour li et me penser en pile dans nous là archive yo là à n'importe lequel dossier ça, yo ta reprendre, yo ta vle recamper est-ce qu'on figure dossier ça ou bien on capable dit André Michel qui a fait diversion qui a parlé en pile causer qui lui même n'était prêt pour accuser moun on connaît les petits moun dans piti et puis il fait des autres et puis par en venir dit pral calé chef des autres là qui t'a bail qui est-ce qui t'a il qui t'a accuser moun moi dit comprendre non et bien c'est ça André Michel a fait là m'pas dit lui même qui touyer mettre là est-ce qu'on comprend pas jamais ton causer comme ça là qui ça mié est-ce qu'on comprend mais moi dit à travers quelques déclarations violentes qu'il t'a fait menace qu'il t'a fait soumettre là parce qu'elle dit on moun ka parler de causer référendum même l'en mort bagaille ça te gain là dans toute bagaille yo là c'est non groupe t'a dit c'est son forum est-ce qu'on comprend qui donc nous pas quitter ça passer comme une lettre à la poste et puis l'autre bagaille qui gain encore yo dit là dans ville local m'a comprendre rien. Mais Richemont, commissaire Richemont, dégage, vous faites son affaire. Parce que je ne comprends rien. Ronald Richemont, bagaille compliqué totalement. Dans la ville où a ou même c'est commissaire gouvernement, malgré tout effort fait, malgré toute façon sous qui corps, on façon pour capable pacifier zone là, mais malheureusement ville local est pourri parce que m'apprendre là un citoyen, un jeune petit garçon qui a fait effort dans zone là, yo dit monsieur li dans un groupe qui s'est vers qu'elle est, nèg ça son paquet jeune qui intégré dans toute activité qu'a fait dans ville local,
yo di m te gen on bicyclette et gon activité bicyclette nan okay nek sa yo se ou même celle qui dans devant nan initiative belle initiative ki yo kon pran pou ville okay monsieur tout qui était ancien employé BNC malheureusement li parle m'a parlé là de Reginald Clifford la cause c'est non ça et ben monsieur continue gâter tout moun ville okay relèl ki se ti régi monsieur mouri en bas bal bandi nan ville okay monsieur se voit des balles et je comprends nan moment te gen motocyclette li et puis bandi campil nèg yo prend moto a yo ba monsieur deux cartouches courir ensemble avec monsieur l'hôpital malgré te ki t'a fait diligence pour joindre sang pour capable opérer monsieur yo di m gen youn nan remisier yo te obligé retirer parce que bal yo fait un pin impact mais malheureusement tout de suite après opération monsieur t'a pral teyen parce que bandi yo nèg yo te frappé monsieur jouk nan zo ki donc li parle encore commissaire Ronald Richemont m souhaité gen enquête ki t'en met nan cas dossier ça au moins pour faciliter même si me connais l'amour son bagage en fait te débile passer la caou ou tout m'emboudé là là même penser si gagne limier fait dans cadre dossier ça au moins famille victime là a joindre un soulagement quand même l'important intéressant pas oublier voir ça li parle qui voit information et tinèg là li parle qui tinèg en chouette là li vraiment important intéressant ou même capitaine de là qui besoin me faire promotion concernant un business un projet quelconque pour vous un petit grab diamond d'ailleurs on prend yo tourner pépé tonton Noël avec on petit décembre qui entre là m'vle tout moun business yo déraper business on prend aller net en façon que vous avez souhaité. Écrivez-moi Kounia à travers WhatsApp dans le numéro ça qui est plus 1 809 786 81 20. Comment imaginez-vous une institution comme ça qui est la police nationale qui gagne qui gagne DCPJ qui c'est une instance importante dans la police nationale là? Pour l'obliger à attendre qui ça pouvoir dire. Qui ça pouvoir dire. Même directeur général de la police là, pas qu'il doit impliquer dans l'enquête. Et ça qu'il faut, Frédéric Lecomte, qui a un pile problème, dans le cadre de rapport sur le dossier de Jovenel Moïse là. Parce qu'il est bruit que Léon Charles est impliqué dans l'enquête là. Faut aimer bien fond dans l'enquête là. Directeur général là, pas qu'il pour et influencer enquête DCPJ non même je pas qu'à influencer enquête inspection générale non et pas jouer tant gain dans la police là j'ai assassinat Jovenel là président Jovenel te fait là un président qui a brûlé un directeur général vienne sauver et bien ouais. Alors comment vous voulez pour monsieur pas de fou mais tout longue c'est la problème. Pour le tirer tête-là? C'est là le bas blesse. Parce que dans le moment où on a parlé là, c'est que vous remettez en doute l'enquête de CPJA sur le dossier Jovenel là. Pendant qu'on a parlé de la dossier, est-ce qu'on va dire récitez-nous Ariel Henry dans le cas d'enquête là? J'ai avoué qu'il était parlé avec le docteur Ariel Henry. Mais depuis après un mois, il va parler à l'auteur Ariel Henry. C'est ça le dit avec l'enquêteur. Oui, il parle avec le docteur Ariel Henry à 4h du matin. Le docteur Ariel Henry dit qu'il est en sécurité. Donc ça veut dire que le docteur Ariel Henry a eu des informations de la part de Badio selon le texte que j'ai hier sous la plume de Geoffroy Bien-Aimé. Docteur Ariel Henry parle avec monsieur. Donc, le nom de Dr. Ariel Henry retourne sous table là. Oui, Dr. Ariel Henry parlait avec Badio, mais Badio assurait que Dr. Ariel Henry n'a jamais parlé avec lui après l'assassinat. Jusqu'à date. Jusqu'à ce temps-là, il cite nous, Mme Koch. Rappelons-nous que il a organisé une réunion avec Mme Koch là, côté des journalistes présents. Rappelons-nous ça. N'appelez-le. Li récité non madame quoi encore. Et li dit que li t'a tout goumel t'a goumel c'est pour le t'ka vinn premier ministre. Après la mort de Louise. Mais li même li dit que li té bail li té impliqué dans question à louer machine pour participer dans cas d'arrestation Jovenel Moïse. Selon ça m'ta pli notre texte là. Donc, Badio parlait en pile causé.
non ça m'a regardé dans même là hein? C'est que alors Franklin bien-aimé Gifra et qui écrit Joseph Félix Badiou confirme avoir été en contact avec Dr Ariel Henry le soir de l'assassinat du président Jovenel Moïse selon une source judiciaire là n'a cité Franklin bien-aimé Gifra 3 décembre 6h44 p.m. OK. Dans le texte, il y a plusieurs noms qui sont cités. Tout le monde est côté pour le crime en fait là. Et bien aimé Geoffroy, je suis cité et tout le moment qui passe dans le cas d'assassinat. Alors, son texte très long, nous ne pouvons pas lire. Nous ne pouvons pas lire. Il y a besoin de texte, je vais vous le pour nous. Félix Badiou parle de James Solage, de Vincent, de Dragon. Li parle de Wendell Coctello. Li parle de John Joel Joseph. OK? Li parle de tout le monde qui est en prison. De Colombien. Li parle de Hector Anacassis. Ati cause, non? Li parle de Ronaldo Covington. Li parle de ministre Rockefeller Vincent. Et qu'il était en contact avec elle. Il parle avec elle. Il parle de Gilbert Drago, de ça, qui est mort. Il parle de Léon Charles. Rudolf Jarre. Quand on nomme Rudolf Jarre et James Solage, Félix Badiou déclaré que ces derniers lui ont demandé d'appeler. Tenez bien, Rudolf Jarre ak Solage Mandel déclaré, ok, il a déclaré que ces derniers, en parlant de Rudolf Jarre et James Solage, ils lui ont demandé d'appeler par téléphone le directeur général de la police nationale d'alors, M. Léon Charles, afin d'instruire les policiers de débloquer la route pour qu'ils puissent aller récupérer Christian Emmanuel Sanon en vue de l'amener au palais national. Là, on a parlé de Félix Badiou dans le texte. Devant les enquêteurs, on a dit deux, trois, tibarais, poursuit la source. Il prétendait qu'au moment du déroulement des événements, il se trouvait dans une maison qui a été louée en son nom à l'entrée de Pèlerin 5, en train d'observer les véhicules dans lesquels se trouvaient les assaillants. Dans le texte, Félix Badiou parle pile bagay. Même sous cela confirmé, Joseph Félix Badiou souligné l'été quitté Kaysa, qui est cité dans le Pèlerin, côté et Zamili, Marie Dilienne Louis Jean, en date 8 juillet. Par ailleurs, les numéros de téléphone portable Jean-Joël Joseph, Rudolf Jarre, James Solage, Vincent et Joseph Reynald Coventon et Dominique Covin, Wendell Coctello, Edwin Coq, Georges Déré et Simon et Siméon ainsi connu. OK. Pile non. Cité dans bail ça. Donc ça dit son texte très long, nous pas lire. Seul bagage, c'est que le nom de Dr. Ariel Henry vient citer une autre fois dans le cas d'enquête qui vient à voir la question de la mort du président Jovenel Moïse. Pierre Martin Zanot. Nous avons annoncé que Mi Balai gagne une institution qui peut changer directeur. C'est ONA. Donc nous avons gardé, nous avons reçu deux appels de Guillaume qui t'a pas le couvrir. Alors, nous avons Guillaume depuis Mi Balai et qui a couvert le travail ça pour nous. Et semble Mi Balai
comment c'est mieux balai semble venir mieux balai quand tu vas échauffer là parce qu'il y a des cap shoot il y a des cap entrer et Guillaume comment est oui ah allô Guillaume oui allô oui oui comment situation mieux balai Monsieur Esgras Véa, lui-même qui a remplacé l'aide coupée à Frédéric, lui-même qui a prononcé des choses. Et ailleurs. C'est le maire de la ville de Mibale. C'est le fils délégué de l'arrondissement de Mibale. C'est le responsable de la sécurité nationale de l'UNA. C'est les membres de la sécurité. Alors, ce discours qu'on attendait, c'est un responsable ONA, Mibale, qui a changé. Alors Isaïe, nous avons toujours un coup de tête Jérémy. Parce que là, c'est discours, M. Patrick a annoncé nous si c'est directeur sortant qui a parlé ou bien rentrant. Et vous connaissez le discours mélangé. Alors nous disons que c'est Mibale, nous c'est nouveau directeur et Annexona. Et cap prend place. Hein? Et bien, nous retournons, Mibale, Isaïe. Et pendant ce temps, nous pourrons regarder si nous avons rejoint Amaline, qui pourra l'informer nous du côté de la ville de Jérémy. Ouais? Et merci Guillaume et qui t'a informé nous au niveau de Mibale. Nous allons aller sans transition et avec Amaline et qui lui-même se correspond dans nous et grand dans ce pays. Chaque factualité dans le dernier moment, ça, c'est le dossier de l'ancien sénateur élu Guy Philippe qui lui-même nous rappelait nous était en prison et aux États-Unis d'Amérique et côté et Il passait 6 l'année dans la prison, mais il devait pour dépasser 9 l'année. Donc selon un deal qui fait avec Blanc, Guy Philippe libéré
la prison. Et tu pourras passer 2 et 3 jours dans le DCPJ, direction de la police judiciaire. Eh bien, je vous dis là, Guy Philippe, j'ai annoncé sur Facebook, sur page Facebook, là, que Guy Philippe, à partir de 2 papiers que greffe Port-au-Prince, greffe au CAI, est sorti, il a dit que DCPJ n'est pas qu'à Québec, Guy Philippe. Chose dite, chose faite, Guy Philippe, bel et bien, libre. Pierre Matin. Libre parce que même samedi pour M. Talé, sans pile précaution pour mettre M. dehors. Parce que quand M. était, c'est pas un élément de CPJ qui veut aller mettre dehors comme ça, quand on est porte moun. Et c'est un service de sécurité là, bagaille n'est pas en haut, n'est pas en bas. Et pour te ouais, mettez M. dehors à tout. Il était un peu difficile, lui, en pile précaution. Alors, qui ça de CPJ? Ça a des CBJ présenté. Et matin, il y a un petit problème. Côté, comment imagino, il dit que, et avocat du Hake, selon ça, des CBJ dit, Guy Philippe, en observation. C'est comme si, c'est un policier arrêté qui est en isolement. Léon Dou, en observation.